Ambiance habituelle à l'aurore. Des hiatus quotidiens des riverains qui font la singularité du carrefour. Nous sommes en Bankomo, localité située sur la route nationale numéro 3, à 20 km au sud-ouest de Yaoundé, la capitale, et à 31 km au nord de Ngoumou, chef-lieu du département de la Mofou à Kono, région du centre. Ici, les populations vaquent librement comme à l'accoutumée à leurs multiples occupations. Au rang des atouts de la localité pour les habitants de cette commune, figure en bonne place l'accès à l'eau potable, une réalité manifeste qui sert fort bien à étancher la soif des consommateurs. Bankomo, c'est la porte d'entrée vers la capitale Yaoundé, la porte d'entrée de sortie, et Bankomo se veut être la vitrine. Pour ce faire, Bankomo s'étale sur 1300 km², comprend 66 chefferies de 3e degré et 4 chefferies de groupement. Côté rural, on retrouve une économie de subsistance où nous produisons essentiellement des biens agricoles. Et il y a au niveau des centres urbains, beaucoup plus les biens et services. Vous allez trouver quelqu'un qui peut dépanner une moto, quelqu'un qui vous fait du ciment, qui vous vend du ciment, quelqu'un qui a un secrétariat bureautique, une coiffeuse ou tout simplement n'importe quel service comme un notaire ou un avocat. Séjour spécial en Bankomo. La place des fêtes a reçu une cure de jouvence. Les cyclistes arrivent progressivement et le décor des grands jours se met en place. C'est le jour de la cérémonie de l'excellence scolaire dans le département couplé à la course cycliste VTT organisée par la coordination des jeunes élites de la Mofou et à Kono. Sur place, les commerces de fortune ont vu le jour, une occasion de réaliser de bonnes recettes. Pendant ce temps, la température monte à quelques minutes du premier coup de pédale de la course. La piste cyclable à parcourir ici en Bankomo est longue de plus de 50 km, un circuit parsemé d'embûches et d'obstacles à braver pour espérer terminer en tête du peloton. Cette course VTT permettra également aux acteurs d'explorer les méandres de cette commune, Bankomo. Autorités administratives et traditionnelles ainsi que les coureurs venus de 6 régions du Cameroun sont au départ de l'épreuve. Activité supervisée par la Fédération Camerounaise de Cyclisme. On dit le départ des gars, s'il vous plaît. Rendez-vous. Vous voyez que d'autres ont même les sacs au dos. Hein. Arrivez là, si c'est chaud, ils s'assoient, ils mangent d'abord bien. L'exercice n'est pas facile. Les cyclistes rivalisent d'adresse et de compétences. Tous ou presque lorgnent la tête du peloton et la victoire finale. Pendant que la course gagne en intensité, les artistes musiciens invités à la cérémonie distillent une ambiance pleine de jardins à la place des fêtes. Des voix langoureuses et plaintives qui ont bercé notre tendre enfance. Oublions de crier le froid d'Orlais, mais pleine d'amour, j'offrirai mon bonheur, et les jours et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Ouais, la course VTT, voilà, vélo tout terrain, voilà, c'est très important. Je pense que c'est ça qui doit édifier les jeunes de temps en temps. Moi, bon ben, je célèbre mes 50 ans de carrière bientôt, vous savez, c'est le sport qui m'a fait tenir. Hein. J'ai fait la boxe quand j'étais jeune et je fais toujours du sport. Je célèbre mes 50 ans de carrière, le 12 octobre au Palais des Congrès avec une dizaine d'artistes camerounais dont
Bravo, bravo le cyclisme et vive le sport. Après plus de 2 heures d'ambiance, le vainqueur de la course VTT de Mbankomo franchit la ligne d'arrivée avec un chrono de 2h1 min 11 secondes. Le parcours était vraiment difficile, c'était pas facile. Et aussi, c'était très compliqué. Mais malgré tout ça, bon, j'ai pu gérer et j'ai fini dans les bonnes conditions. Bien avant, la jeune Marvila Bilbao Solo est arrivée en tête chez les dames. Et d'encouragement et d'encouragement de mon coach et de mes parents. Avant de venir à la course, j'ai promis au maire de Mbalmayo que je devais gagner cette course. Et ce qui s'est passé, beaucoup fait les efforts parce que je n'ai jamais la de l'air. Comme j'ai gagné aujourd'hui jusqu'à la gare, plus jamais. Mes ambitions, c'est d'être champion du monde et du Cameroun. Et de prouver les compétences du Cameroun à travers le monde. Il remet et puis c'est la photo. Je voudrais appeler monsieur l'entraîneur national, le nom vous connaissez également, monsieur Fenza Lucas, dans la Ligue régionale du centre, monsieur le conseiller Jean-Baptiste Diaye. Leur fête continuera dans d'autres localités et la course VTT partira dans ces localités-là. Il va falloir donc qu'on trouve des circuits comme ça pour que chaque fois qu'on a un promoteur qui dit que j'organise dans tel ou tel circuit pour la compétition VTT. La particularité de ce circuit, c'est que nous sommes tombés au moment où nous avons encore un tout petit peu de soleil. Parce que je vous avoue, ce circuit de 54 km, ça n'a pas été du chocolat pour les cyclistes qui sont venus prendre le départ. Satisfaction exprimée par les autorités administratives, municipales, parlementaires, ainsi que les organisateurs de la fédération et les promoteurs. L'objectif est atteint. Sur le plan sportif, parce que on peut se féliciter d'avoir pu dénicher, grâce au concours de la mairie, un parcours de niveau international en termes de difficultés, en termes d'obstacles à franchir. Je pense que vous avez vu la fierté ou bien la joie manifestée par la Fédération camerounaise de cyclisme, fortement représentée ici. Et ça démontre qu'ils ont trouvé un peu ce qu'ils cherchaient. Mais maintenant, nous voulons un département pionnier dans la promotion de cette discipline, qui est le VTT. Donc on va continuer, on va garder ce flambeau en tant que pionnier parce que le circuit va s'améliorer et même l'organisation de la compétition va s'améliorer. Lorsqu'on organise des compétitions des fédérations sportives, c'est pour susciter des vocations, c'est pour stimuler le talent. Je voudrais vous déclarer officiellement que nous allons créer à partir de demain un club cyclisme ici et nous allons nous affilier à la Fédération camerounaise de cyclisme et nous serons compétitifs l'année prochaine. Exit la course cycliste VTT de Mbankomo, couplée à la 6e édition de la cérémonie d'excellence scolaire dans la Moufou à Konan. C'est dans l'allégresse que les acteurs se sont donné rendez-vous en 2025 pour l'acte 7 avec en perspective beaucoup d'innovations.